suis sur le lac des Deux Montagnes. Bonjour, les touristes. Je suis en train de me battre avec mon technique. Il va falloir que je m'en achète un autre. Parce que je l'ai encore brisé, encore plus qu'avant. Voilà. C'est la merde. Sur un grand lac de la rivière des Outaouais, la rivière des Méliles, et qui croise le lac Saint-Louis, je crois, par le pont autour. J'étais là l'année dernière, dans le stationnement, il y avait beaucoup plus de monde que l'année dernière. L'année dernière, j'étais tout seul, mais là, waouh, c'était plein. Et c'est un stationnement, ouais. Tout ce qu'il y a de plus seul. Bon. J'ai un problème avec mon siège. Ça va bien. J'espère que ça va tenir. Alors aujourd'hui, je suis venu plus tard que prévu. En plus, parce que la route s'était bouchée. Ça faisait pas partie de mes plans non plus. Mais bon. Bon, l'objectif est de rejoindre le cap Saint-Jacques, ensuite au cap qui est à gauche complètement. Ah, il y a un peu de vague quand même. Bon, ça veut dire qu'on va pas s'ennuyer. Et voilà. Ça va être une grosse balade. Alors, je ne veux pas rentrer tard non plus parce que je suis bien soufflé avec des voisins. Alors bon, on va voir. Alors là, ça bouge parce qu'il y a un peu de vague. Une belle journée de 10 juillet aujourd'hui. C'est sympa. Belle température. Et l'eau, elle est bonne. Ouais. Pas vraiment profonde là-bas à l'entrée de la rivière, ça fait que il fallait bien choisir son chemin. Je suis pas rendu moi avec ça là. Je pense qu'ils vendent des trucs adaptés pour les kayaks, pour sceller le téléphone cellulaire, parce que je fais des meilleurs films avec ça qu'avec autre chose. Mon siège. Oh là là, si c'est vachement bas, il doit être tout seul. Oh là là, je vois les cailloux là. Vous imaginez, je vois des cailloux. L'eau elle est super claire, super belle ici. C'est pas profond. Pas là en tout cas. J'aurais pu me baigner, on fera peut-être ça tantôt, quand on revient. Je vais baigner dans le lac des Deux Montagnes. Alors regardez, là-bas c'est le pont de l'île autour. Il y a beaucoup de planches aujourd'hui, et de kayaks rigides aussi. Il y a même des pêcheurs, là où je suis parti. Partie de le mettre sur la vidéo sur YouTube. Bon, alors moi, il faut que j'aille tout droit là-bas. Voilà. Ouais, c'est loin.
assez loin. Et ensuite, je veux rejoindre le parc d'Oka là-bas, par de l'autre côté. Il faut que je traverse. C'est peut-être un peu présomptueux, il y a des trois. On va s'essouler. On en reviendra. Ouais, ça colle. Je vais me mouiller un peu. Voilà, l'eau est super bonne, super claire. Vous n'avez pas. Ah, il y a plein de bateaux. Wow, j'ai plein d'eau qui me coule partout, super. C'est l'été. Regardez, vous voyez, il y a plein de bateaux là. Bon, on passera pas là-bas. Mais c'est une crique, petite crique, sympa. Les gens sont tranquilles sur leur bateau. Ils sont pas de là. Hein. Ouais. La petite île qui est là-bas, je l'ai faite aussi. Déjà. Ouais, mon siège s'est dégonflé. Bordel de merde. J'espère qu'il va finir la route. Je l'avais collé à l'époxy et tout, mais le trou, c'est tout petit trou. Ça va bien protéger et tout. Parce que là, il n'y a pas une essence. Ça doit tenir. On verra. Ça, c'est lui qui tient pas. Alors il y a des bateaux qui passent, je vais être dans leur corridor. Alors, je fasse attention. Bah, quand j'ai leur corridor, leur chenal. Que je suis bien là, même s'il y a du monde sur l'eau, c'est agréable. Permet de se vider. C'est tout simplement magique. Alors on se croirait à la mer, mais c'est pas la mer. C'est un grand lac qui rejoint plusieurs rivières et tout. Il y a de la vague. On va les prendre de face. Moins désagréable. Bon, évidemment, comme de coutume, j'ai à peine déjeuné avant. Je mangerai bien ce soir, ça c'est sûr. On va se prendre une barre de céréales. Oh, il y a un gros poisson qui vient de sauter là. Il était gros. Puis, je sais pas ce que c'était comme poisson, mais. Wow. C'était gros. Le machin là, c'était gros.
siège, il fait la gueule. Bravo. L'idéal, c'est d'être un peu plus haut sur le kayak pour pouvoir avoir une meilleure assise et puis pour mieux paniquer. Vous savez, je prends vraiment plaisir à filmer parce que de plus en plus parce que bon, le décor est tellement magnifique. Et quand je fais du kayak, j'ai qu'une hâte, c'est de sortir des vidéos. C'est fou, hein? Et pourtant mon but c'est seulement de faire du kayak. Mais j'ai plaisir à me revoir, à voir le décor que je filme, après encore, et à le déguster. Désolé, je trouverai un autre moyen pour les autres vidéos à l'avenir. Parce que c'est vraiment pas l'idéal. Bon. Ouais, ça bouge. Hein. Ça bouge à max. Bon. Mon siège, je dégonfle à leur manger, je casse les burnes, excusez-moi du terme. Ouais, d'accord, d'accord. Ça y est, ça commence. Qu'est-ce que je pourrais faire? Attendez. D'accord. Ensuite. Merde. Ça va? Toujours là? Bon. Je sais pas ce que je vois. Ah, c'est juste le bout. Ok, parfait. Bon, maintenant j'ai un petit creux. Bon, j'arrête un petit peu.